Colors weave into a spire of flame. Distant sparks call to a past still unnamed. Fire this torch against the cold of the night. Set your soul and reawaken the undying light. Eh bien, salut tout à tous, amis, c'est Paradox pour ce dernier épisode de notre aventure sur Lego Harry Potter année 1 à 4. On est parti pour le sixième et dernier niveau du chapitre 4, qui est le dernier chapitre de ce jeu-là. J'espère en tout cas que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Il est temps, mesdames et messieurs, de découvrir le dernier niveau. De la coupe de feu. La dernière épreuve du tournoi des sorciers. Ok, donc on fait équipe avec Cédric pour le labyrinthe, car oui, l'objectif de la dernière épreuve, c'est tout simplement un labyrinthe. Ok, c'est parti. Celui-là et celui-là, donc là, celui-là, ok, j'ai compris. J'ai compris quel style de délire c'est. Ok, ici. On prend celle-là, celle-là et celle-là. Ok. Donc, celle-là, celle-là et celle-là. Ok. On continue. C'est pas super évident. On va pas se cacher. Faut bien suivre. Mmh.
Est-ce que j'ai en moitié le hockey? J'ai le hockey. Enfin, j'ai un début de hockey, en tout cas. Là. 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 Ok. Donc voilà, c'est bel et bien le tournoi des trois sorciers d'ailleurs. Vu que là, c'est le labyrinthe des trois sorciers. C'est l'annexe. On s'en fout, on dégage. Tac. Wow, ça pique. Tac, on va récupérer un petit peu toutes les pièces. Ok, donc j'ai ça éventuellement. Là-bas. Ok, alors. Oula. Tac, là. Ok, donc ça c'est pour passer par-dessus. Ok, on est passé par-dessus. Ok, parfait. Merci à toi, ma petite araignée. Tac là. Ok. Parfait. Ok, la coupe est juste là. Parfait.
Easy. Il est de retour. Mes amis, Lord Voldemort est de retour. Le seigneur du mal est là. Ok. Allez, allez, ok. C'est pas compliqué, c'est juste pas le bouton, honnêtement. On t'a battu. Oh, c'est drôle. En mode Lego, c'est drôle cette scène. Ok, donc voilà. Donc le vrai professeur n'était, enfin le professeur n'était pas le vrai. C'était un escroc. Et donc on l'a démasqué. Par contre, malheureusement, Cédric y est resté. Bon, bah voilà. Mon Dieu. Et donc, ça y est, le premier jeu Lego Harry Potter, donc Lego Harry Potter année 1 à 4, est fini. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Moi j'ai vraiment beaucoup, beaucoup kiffé le faire. On se donne rendez-vous du coup très bientôt pour le 100%. Voilà. Bon, comparé à tout ce que j'ai pu dire et comparé à tout ce que j'ai pu entendre, je ne ferai pas le jeu à 100%. Pour la simple raison que pour ceux qui étaient en live avec moi, quand on a fini le jeu, on a fait un petit live de test où on faisait le 100%. Déjà, le château de Poudlard, c'est une galère. C'est un vrai labyrinthe. Et en fait, c'est pour ça que je ne vais pas le faire à 100%. C'est que le 100% pour moi est trop bizarre en fait. On débloque des persos mais on les débloque pas vraiment. Enfin, en fait, le 100% me change trop des autres et je comprends rien.
fait que ça me perturbe. Donc bon, contrairement à tout ce que j'ai pu dire, du coup, on ne le fera pas à 100%. Mais j'espère en tout cas, franchement et sincèrement, que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous. Bye bye tout le monde. Salut tout le monde. Bye. Ciao tout le monde. Bye. Arrivé. On se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, on se donne rendez-vous. Je pense honnêtement que le 100% on devrait y arriver. On devrait y arriver. On va quand même regarder un petit peu. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner, d'activer la cloche pour être informé par notification dès qu'une vidéo sort.